C'est un roman, je crois, très simple, qui se passe dans Paris maintenant, enfin, drôle de maintenant, on en parlera peut-être, euh, qui est concentré autour de sept personnages d'importance de, 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 à peu près équivalente. Il y a un, un écrivain qui vieillit mal, assez grincheux, cet écrivain a un fils qui est étudiant au Beaux-Arts, euh, la meilleure amie de l'écrivain, si on peut dire ça comme ça, est une galeriste de Saint-Germain-des-Prés. Elle aussi a une fille, les deux enfants sont amis. Et puis, il y a comme autre personnage principal un escorte brésilien qui vient essayer de faire sa vie à Paris, euh, un jeune Strasbourgeois ambitieux qui, qui vient aussi à Paris. Et puis, autour de ça, toute une, toute une assemblée de personnages, de personnages secondaires. Et euh, la chose un peu singulière, c'est que dans ce livre qui se passe donc maintenant, où ces personnages ont des aventures, il y a des animaux, euh, car euh, je trouvais que. Les animaux qui parlent et qui, euh, et qui interviennent dans la fiction, ça existe, mais en général, c'est dans les fables ou dans les livres pour enfants. Et je trouvais très, très dommage que ça n'existe pas dans la fiction normale, si je puis dire. Et donc, j'ai mis ces animaux qui ouvrent la plupart des chapitres. Et euh, à chaque personnage que je vous ai mentionné, est assigné un, un, un animal. Par exemple, l'écrivain un tequel, la galeriste a un chat. Euh, Déchaîné qui casse tout, et que donc elle a appelé Xanax. Euh, et ces animaux interviennent, mais pas pour rien. Ils donnent des indications sur les personnages, ce que les personnages parfois cachent ou pas, eux-mêmes ont une certaine façon d'être. Et il euh, y a il y a tellement d'animaux de, 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 qu'une scène importante du livre est un éléphant qui s'échappe du zoo de Vincennes et qui arrive dans Paris et qui va créer une énorme catastrophe dans Paris avec des conséquences politiques, de, 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 de conversations infinies dans Paris, etc., etc. Et tout ça se greffe à l'histoire. Et je vous raconte pas ce qui se passe, mais il se passe des choses. Ce qui me fascine dans Paris, c'est une question assez simple c'est comment ne pas être fasciné par Paris euh, moi qui suis né dans le sud-ouest, quand j'étais enfant, il m'arrivait de venir à Paris, mais je lisais les livres qui se passent à Paris. Et d'ailleurs, euh, dans la Comédie humaine de Balzac, les, les passages que je préférais étaient les scènes de la vie parisienne. Dans Zola, d'ailleurs, dans pas de même chose, dans les Rougon-Macquart, les passages que je préférais étaient, euh, étaient les, 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 romans, les romans qui se passaient à Paris. Euh, pour une raison assez simple, euh, d'autre part, c'est que. Paris est une, une merveille d'architecture et d'urbanisme, que Paris euh, est l'endroit où se concentrent, à tort ou à raison, mais c'est comme ça, toutes les imaginations de la France, et que Paris est un endroit extrêmement singulier, et pas seulement parce que c'est une capitale, par exemple en Italie, Rome est la capitale de l'Italie, mais elle n'est pas fondamentalement différente de Naples, de Milan ou d'autres grandes villes. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est pas un roman qui se passe dans Paris, mais un roman qui soit Paris. On n'en sort pas un instant, tout est Paris, et tout est fait et, et, et agit en fonction euh, de la ville de Paris. Car je pense que la grande singularité de cette ville c'est que enfin si je devais résumer mon mon livre je dirais que c'est un rond dans un carré car la France est un pays carré, là, sa conformation géographique est carré, ce qui, je pense, a beaucoup de conséquences sur l'esprit des Français. Et en particulier, ça crée un désir de symétrie qui est, un désir, qui est une forme d'angoisse. Et Paris, au milieu de tout ça, enfin pas au milieu, au milieu, un peu en haut, est une forme ronde et d'ailleurs a une forme de cerveau avec une veine qui la traverse au milieu et qui crée du désordre dans cette France qui voudrait tellement être raisonnable et qui a peur de l'être. Il y a dans le livre, entre des lignes en bas de page, des, des phrases ou des tronçons de phrases qui se produisent, qui ne sont pas des notes en bas de page, mais qui se produisent chaque fois que les personnages sont à l'extérieur. Et ce sont des phrases captées, euh, comme quand on marche sur le trottoir et qu'on entend quelqu'un qui parle et on capte un bout de phrase. Et j'ai voulu par cela montrer le brouhaha. Le brouhaha dans la fiction, à ma connaissance, ça n'existait pas. C'est très difficile à rendre dans un livre, le bois, dans un, un film. Évidemment, c'est très facile à rendre. Éventuellement au théâtre, ça peut se rendre dans la chanson, etc. Par écrit, c'est excessivement compliqué d'interrompre euh, une scène pour dire que quelqu'un croise, dit ça, ça interrompt tout, c'est brouillon, etc. Et donc, ça n'existait pas et, et ça m'agaçait. Donc, j'ai inventé ce, ce procédé qui permet, selon moi. D'ailleurs, on n'est pas plus obligé de lire ces, ces, ces phrases qu'on ne fait vraiment attention aux, aux phrases qu'on entend en croisant des gens dans, dans la rue. Euh, mais ça me permettait de donner comme une base continue, comme ça, ce qui est pour moi le brouhaha singulier de Paris, parce que ces phrases-là, ces morceaux de phrases, ces réflexions qu'on entend dans Paris ne sont pas les mêmes que celles qu'on entendrait à Bordeaux, à Bruxelles ou à Strasbourg. Si les animaux euh, parlent très souvent au, au début des chapitres, c'est euh, comme je vous le disais tout à l'heure c'est pour donner une indication préalable sur les personnages, signaler que d'une façon ou d'une autre, ils ont peut-être menti dans un chapitre précédent, etc. etc. Mais c'est aussi parce que je voulais, de manière plus philosophique, peut-être euh, dire quelque chose sur les relations entre les humains et les non-humains, euh, car je crois que. Hum, le sujet du livre, en dehors de tout ce qui arrive aux personnages et de leurs aventures, c'est le jugement. Car Paris est la, la capitale mondiale du jugement. Tout le monde se juge, tout le monde se juge partout. En province, on se juge, mais c'est vite fait. C'est un rideau qui se lève, et c'est Madame Escartefigue qui dit du mal de ma Michu. Bon, à Paris, c'est tout le monde en permanence, et surtout. Et, et sur Donc, les France, les Parisiens, sont des jugeurs, et euh, ils ne se rendent pas compte. Je le fais dire à un des dans le livre que les gens qui jugent sont toujours jugés évidemment quelque temps après, et la chose qui me frappe c'est qu'ils sont jugés et condamnés sur la, la partie de même qu'ils pensaient ou de leur jugement qu'ils pensaient la plus morale. Par exemple, si vous prenez je ne sais pas moi, euh, euh, la colonisation dans les, dans les, entre les années 1830 ou 40 et, et le 20e siècle, euh, ces gens-là faisaient ça avec une assurance d'être vertueux, d'apporter la civilisation, etc. Ils sont jugés précisément sur ce qu'ils pensaient être une bonne chose. Les victoriens en, en Angleterre au début du 20e siècle avaient une assurance morale et de rectitude et de bienséance qui les rendaient très sûrs d'eux-mêmes, et c'est sur ça qu'ils sont jugés. Eh bien, je pense que il est possible que nous soyons jugés dans 50 ans sur cette chose dont nous sommes pourtant très sûrs, qui est la façon dont nous, nous nous occupons des animaux. Il y a des, y a des animaux domestiques, on a l'impression d'être gentil avec eux, mais d'abord, pour commencer, ils sont domestiqués, et puis le, le, le statut général des animaux dans la société contemporaine, est une forme de barbarie. Enfin, pas la peine d'en donner des exemples. Les, les, extermina... enfin, les exterminations de visons en Suède au moment, euh, au moment du Covid, les épisodes effroyables de la vache folle en Angleterre ont envoyé des grues dans le pays entier souvait des vaches mortes qui avaient été abattues enfin et tout ça dans la plus grande tranquillité sans parler évidemment des abattoirs et des choses comme ça donc euh, et d'ailleurs dans mon livre les animaux les animaux protestent il y a un moment dans un chapitre un colloque de d'insectes qui se tient dans un arbre du jardin du Luxembourg où les animaux euh, font des conférences pour protester contre ça moyennant quoi comme on est à Paris et qu'on juge tout le temps les animaux jugent eux-mêmes et, et j'ai je, je, écrit un un passage euh, que j'espère un peu amusant, comme ça où le, le tekel dont je vous parlais, qui est l'animal de l'écrivain, marche dans la rue avec sa laisse dans la bouche, et, euh, comme font parfois les, les chiens, et une fourmi qui le croise et qui, pose, qui porte au-dessus de sa tête un, un, une miette de pain euh, dix fois plus lourde qu'elle, lui dit ⁇ Aliéné, va donc euh, ⁇ Donc, euh, je viens d'employer à propos du chien le mot bouche, et c'est une chose que qui est très... que je pense que les gens remarqueront à la fin, dans le, à la longue dans le livre, c'est que j'ai voulu précisément marquer le moindre différence possible entre les, les animaux et les humains, et la forme de supériorité inconsciente que nous avons envers les animaux, c'est que nous leur avons appliqué un lexique différent nous avons une bouche, les animaux ont une gueule, nous avons des jambes, les animaux ont des pattes, à l'exception des chevaux. mais, euh, donc, dans mon livre, je fais exprès de ne pas employer le mot gueule, mais d'employer le mot bouche pour essayer de créer une espèce de, de proximité comme ça. et, de toute façon, ça me paraît tellement évident que il y a une question de langage, voilà, de lexique, mais il y a aussi une question de langage entre les animaux et, 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 et les êtres humains. Et on le voit dans le livre. D'ailleurs, à un certain moment, la galeriste parle à son chat, le chat miaule, et elle, ils se comprennent très bien. Elle sait très bien que le chat lui réclame à manger, elle lui parle, le chat répond, la regarde. La, la séparation entre les animaux et les humains n'est même pas de l'ordre du langage, je ne pense pas. Pour vous en dire un peu plus sur les, les personnages et ce qui leur arrive, donc je vous disais que l'écrivain le, le, a un fils, et l'écrivain vieillit un peu mal, il est grincheux parce qu'il n'arrive plus à écrire, il sait plus quoi écrire, donc il va dans des radios, où il grinche contre tout, il peste contre ce que dans le roman on appelle la monopensée, parce que j'ai remarqué que tous les 10 ou 15 ans les vieux cons inventent un nouveau mot pour protester contre tout ce qui est humain, donc il y a eu politiquement correct, maintenant il y a auquisme, il y a eu la pensée unique, là dans mon livre ils appellent ça la monopensée et mon grincheux d'écrivain fait ça et l'écrivain est d'autant plus grincheux que son fils est un peu non fluide comme ça, il porte, euh, il porte du vernis à ongles, il, euh, il se teint les cheveux. Alors ça déplaît beaucoup au père et ça crée des conflits entre eux. Euh, alors que du côté de son ami la galerie, c'est une famille de femmes très spirituelle et comme pour moi j'aime beaucoup en tout cas. Et elle a sa fille qui est l'amie du jeune étudiant, qui est très très amusante, celle qu qui a une grande fête qui sort dans Paris. Et dans les quartiers les plus étonnants de Paris, car je dois dire que mon livre ne se concentre pas dans un quartier de Paris. Il y a vraiment. Tous Les quartiers de Paris populaires, centraux, les 40 rues du centre de Paris qui s'imaginent qu'elles font Paris, mais aussi le Nord. Donc, la fille de, de, de la galeriste est une fétarde, l'amie du jeune, du jeune étudiant. Elle couche avec tous les types qu'elle rencontre et avant s'amusant beaucoup, il n'y a aucune raison de la juger là-dessus. Mais elle veut devenir une artiste, donc il y a des aventures autour de ça. Dans cette famille, c'est une famille de femmes qui se passe des hommes. Il y en a des comme ça, elles font des enfants et il n'y a pas d'homme dans cette famille. Euh, à ceci près qu'elle les aime beaucoup quand même. Donc la galeriste, qui est une femme d'une cinquantaine d'années, vit une aventure que je trouve assez belle avec un, un, une espèce de jeune homme ambitieux qui la manipule, elle s'en rend compte, mais elle ne veut pas le lâcher parce qu'elle a peur que ça soit son dernier amour. Euh, et donc ça crée une... Ça crée une fêlure dans sa vie. Il y a aussi la mère de, ces, de, de cette femme qui est donc la grand-mère de la jeune étudiante, euh, dont je ne vous dirai pas comment, mais le, 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 le cadavre disparaît. Et, euh, et tout ça euh, s'entremêle avec euh, l'aventure de l'éléphant que, que j'évoquais.